Yo 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 yo, wesh wesh la street, ça va ou quoi là? Y'a une grosse ambiance derrière. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, ici Mkolo. Eh bah écoutez, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le 41ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Aïe, on va partir de cette musique totalement affreuse. On va aujourd'hui pour cet épisode continuer notre quête. On doit retrouver évidemment Bembe. Bichot qui veut aller casser la gueule à Bembe, hein, évidemment. Inspecter le rodéo et enchère l'escano. Bichot s'est rendu au rodéo pour faire capoter la transaction d'armes de Bembe. Et fouiller l'usine de traitement de sol de Pina. Et non pas Pina Colada, bien évidemment. On dirait que Bembe volait des fournitures de Biovida. Donc, on va fouiller ces deux endroits. On va commencer par le rodéo. Pour faire ça dans l'ordre, le rodéo, c'est censé être où? Est-ce que c'est là? Rodéo, c'est bon, c'est ça. Donc, on va commencer dans cet ordre. Parce que j'imagine que si je fais dans l'autre sens, ça va tout faire capoute. Les amis, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. J'espère, encore une fois, que vous avez kiffé le dernier. Il y a une cache à récupérer là-haut. On va y aller de ce pas. Oh, comment on fait? Un grappin, très bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu également pour m'encourager. Vos petits commentaires qui me font extrêmement plaisir, comme à chaque fois. Que du bonheur. Il est où le mec? Ah, elle est là. C'est une femme en plus. Venez, on la tue. Non, on va la laisser tranquille. En vrai, je suis un peu moins sadique en ce moment sur les épisodes, vous l'aurez remarqué. Enfin, moins sadique. Non, remarque, je fais des combos meurtriers. Hein. Mais vous voyez, ce genre de personne toute seule... Je m'en occupe plus trop. Bah parce que de toute façon on arrive au niveau du jeu où ils sont tous dans la merde. Et en fait à la fin on va tous les plomber. Donc voilà. Dans tous les cas on sait très bien comment tout ça va finir. Donc je les laisse tranquille. Par contre ceux qui ont des otages, je m'en occupe, hein. Des otages. Alors voilà, j'en parlais juste ici. Là ils sont deux. Donc là vous voyez, on va essayer d'être sadique. Regardez bien ce qui va se passer. On va faire un petit combo. On va faire un petit combo gagnant, les gars. C'est pour bien commencer cet épisode. Épisode qui va durer deux heures. Une heure, pardon. Elle sait pas ce qu'elle dit. Vous devez me... Allez, est-ce qu'on peut enchaîner? Oh là, dans... Ouf. Ah oui, c'était un peu violent quand même. Ah putain. Eh, il y a deux secondes, je vous disais, je suis pas sadique. Je suis mort. Il y a deux secondes, je vous disais, ouais, je suis pas très sadique et tout. Je lui ai mis un coup de machette en plein dans la tronche. C'était le truc le plus violent que j'ai vu jusqu'à présent, je crois. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous avez apprécié ce doux moment. C'est presque de l'ASMR, finalement. Allez, inspectez le rodéo. Bichot s'est rendu au rodéo pour faire capoter. Ok, examinez la zone. Je dois trouver un indice qui m'aiderait à localiser Bembe. Ok. Ah bah déjà là on a peut-être un indice, il y a quelqu'un. On va peut-être pouvoir lui poser des questions, non? Ok, on n'a pas le droit d'y aller. Ah d'accord, c'est un endroit... c'est un rodéo pour les soldats, d'accord. Bah écoutez, on va peut-être commencer par demander au gars. Ça peut être une bonne idée, non? Ça sent l'affaire qui a mal tourné. Oula! Vraiment très mal. Ah oui? En effet. Oh merde, ça va frérot? Il est mort sous nos yeux. Voilà, c'est en effet assez assez triste. Vous savez quelque chose, monsieur? Ok. Alors c'est pas beau à voir. Hein. C'est pas beau à voir. Je continue de fouiller là où j'ai le droit d'aller. Hein. Et après je rentrerai s'il le faut. Là où on n'a pas le droit. Il va pas m'attaquer lui. Regardez ses couilles. Cogne. Mais c'est une vraie zone de guerre. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement cruel. On va récupérer des médocs. C'est... Allô? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis pas responsable, hein. Je ne suis pas responsable. L'armée a livré de la marchandise pour Bembe. D'accord. Ouais, Bembe, il fait des coups bizarres quand même, hein. Bon, bah, on va rentrer, hein. On va rentrer, de toute façon, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde est mort, hein. Enfin, je crois. Il y a un téléphone qui sonne depuis tout à l'heure. Il est où? Bichot a lâché les taureaux sur tout le monde. Là.
Instruction brève, pendant que je vais me faire charger par un taureau là. La transaction est prévue pour vendredi au rodéo, je ne lui fais pas confiance, il est complètement fourbe. On l'a suivi jusqu'à la veille, jusqu'à une vieille cabane à la résidence Colonia. D'après nos infos, il s'agit de son domaine familial. J'ai demandé à Rodriguez de déployer une unité et de cerner les lieux au cas où il tenterait quoi que ce soit. D'où le fait que c'est parti en couille. Alors Bembe a flippé et... J'imagine que Bichou... Oh, adieu. Voilà. Paolo, oh, c'est Interville. A planté un des deals de Bembe au marché noir. Il a laissé s'échapper les taureaux dans un genre de rodéo. Putain de merde. Il va finir par se faire tuer. Je laisserai rien lui arriver. Ouais, c'est Interville. C'est Interville dans la vraie vie, quoi. Ok, bah maintenant, on va fouiller l'usine de traitement de sol. Pas de soucis à ce niveau-là. On y va. Voilà. Ok, putain, ouais, le rodéo, c'était sympa, hein. J'ai eu un petit peu peur, hein. Vous l'avez tous entendu au même moment où j'ai lu. Toi, t'es gentil, toi aussi. Pourquoi j'ai peur, là? J'ai peur de tout ce que je vois, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais oh. Faut pas avoir peur, enfin. Ah, j'aurais dû prendre un véhicule. Ça aurait été plus sympa. Ça aurait été plus sympa. Bon, c'est pas grave, on continue d'y aller à pied. Oh, c'est très joli, regardez tout de même. Hop là, le petit parachute, hein. C'est pour éviter de se fouler les chevilles, hein, quand même. Hein. C'est très mignon par ici. Très mignon. Alors, forcément, dans ces endroits, les crocodiles, faut faire gaffe. Ok. Est-ce qu'on connaît cet endroit? On explore. Ah, c'est l'aéroport international de Noventarmas. On y était déjà? Ah, c'était là qu'il y avait une tour anti-aérienne que j'ai fait en off. Ouais, je m'en rappelle. Ok, d'accord. Très bien. Ça va mal se terminer si personne n'aide ces guerriers. Où ça? Ah. Ah non, mais il y a une embuscade, la flemme. Oh putain, la flemme pour une embuscade. Bon allez, on va le faire, c'est sur notre chemin. Je vois un médecin. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va les aider, hein. On va faire cette petite embuscada. C'est toujours aussi sympa. Sachant que c'est moi qui fais tout à chaque fois. Voilà. Hein. Peser, remballer, hein. Il est où celui qui me voit, là? Je sais pas. Bah, tu sais quoi, je vais voler leur cargaison sous leurs yeux. Voilà, j'ai encore une fois tout fait tout seul, hein. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous, bien évidemment. Je suis très efficace. Voilà. Elle est où? Aucune idée. Aucune idée. On va pas plus chercher la merde que ça. Ah, mais je suis trop aveugle. Bah, lui aussi, il est aveugle. Voilà. C'est bon, les gars. Hein, vous pouvez arrêter de vous cacher, hein. Aïe. Aïe. Hop là, on remet sur... C'est dégueulasse. Hop. Voilà les gars, vous pouvez arrêter de vous cacher. Hein. M16L. MS16L. Très très bien. Nouveau fusil d'assaut que nous n'utiliserons bien évidemment jamais. Bon, et bien voilà la petite embuscade sur le chemin. Oh, démerdez-vous, hein. Faut que vous serviez à quelque chose un peu, hein. Ah, mais c'est bon, en plus sur... Eh, tout ça pour un jaguar, hein. Tout ça pour un jaguar. Il est énervé, lui. C'est qu'il est énervé. Ah ouais, non mais calmez-vous quand même. Hop, le petit plongeon pour se détendre. Ça fait toujours le petit rafraîchissement. Ah, merci. C'est toujours plus sympa de pouvoir remonter. J'aurais dû suivre la grande route, hein, ça aurait été mieux. Voilà. Une mine abandonnée? D'accord. Ouais, mais l'avion, il est énervé. Hein. Bah non, bah ouais, mais il est méchant, ton chien. Bon, bah j'ai pas pu la sauver. Hein. Malade! On n'attaque pas des gens comme ça? Ça ne se fait pas! Voyons! Bon, allez! Plus que 300 mètres! On va y arriver!
D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit parce que c'est vrai que dans le dernier épisode, du coup, alors on a tué Marquesa, ça c'est un bonheur, mais je pensais que c'était une des dernières missions qu'on ferait pour les Maximas Matanzas. Résultat, pas du tout. Mais je pense que là, c'est la fin. Là, on est sur la fin. Je pense que Bembe, on va le fumer à la fin. Évidemment, Bichot, on va le retrouver. Et puis après, je pense que on aura plus trop de missions à faire pour eux. Oh putain. Oula. C'est normal, ça? Ok, faut trouver un indice pour localiser Bembe. Puisque là où Bembe sera, c'est là où Bichot devrait être. Une force spéciale. Cogne. Il y a de l'otage. Hein. Il y a de l'otage. Très bien. Le petit plot qui tombe. Bon, on va y aller. On va y aller. Tout simplement. On va pas perdre plus de temps que ça. On va monter là-haut. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on peut faire des dingueries là-haut. Qu'en pensez-vous? On aura surtout une belle vue. C'est interminable. Ah voilà. Ah oui. Eh, magnifique, non? Ah oui, non non, mais là c'est juste parfait là. OK. Ok, merci. Laissez-moi réfléchir. Ah, dans tous les cas, je vais cramer, donc faudrait que je... Attendez, j'attends. Voilà, regardez bien. Voilà. Facile, rapide, efficace. Oh là là, mais quel monstre. Quel monstre suis-je? Il y a des otages. Merde. Ça va, mon frère? Toi, tu peux m'aider? Bah oui, je suis là pour ça, moi. Y'a plus personne, hein, y'a plus aucun ennemi là. Hein. Ça c'est. De rien. Ok, on va. Il est encore là, je crois. Ouais, j'y vais. Je suis là, frérot. Je sais pas, j'ai rien fait. Ça dépend de toi. T'as vu passer un gamin un peu dingue? Bavard, une coiffure style ananas? Ouais! Il est venu en brandissant un flingue. Il m'a ordonné de lui dire où vivait mon acheteur, Bembe. Et tu lui as dit? Oui, et il est parti en courant. Tu peux me dire où vit Bembe? Personne sait précisément où il habite. Mais c'est à Cruz del Salvador, près de la frontière. C'est tout ce que je sais, juré. Laisse-moi partir. Paolo, je sais où trouver Bembe. C'est là que tu trouveras Bichot. Exact. Pas de panique, Paolo. Ouais, faut pas paniquer, hein. Faut pas paniquer, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on va prendre notre temps, hein, tout de même. Ok. Eh bah, ben, let's go monter encore. Let's go monter encore et retrouvons Bichot à la villa de Bembe, qui est à 800 mètres et qui se passe ici. Super, on découvre encore des nouveaux endroits. Oh. C'est vrai, toute cette zone, on l'a pas encore explorée. On n'a pas encore tout exploré, hein, mine de rien. Bon, allez, on y va. On y va à pied, là, j'aime bien. Enfin, en voiture, du coup. Hop, on va prendre cette caisse. Plutôt sympa. J'aime beaucoup. Pas de musique, s'il te plaît. Et on est parti. Bon, là, je pense que... je vais paraître un peu suspect. Salut, les rouillas. J'ai serré les fesses parce que j'ai eu peur que ça se casse pas. Je vais pas vous mentir. Oula. Je me suis pris un caillou, je me suis fait arrêter direct. Hein. Bon, c'était peut-être pas la meilleure bagnole. Hein. Wow. Sensationnel, hein, sur la chaîne d'Emcolo. Hein. Allez, on y croit. C'est vraiment pas la meilleure des voitures. Hein. Avec ça, on est sauvé. Hein. En vrai, faut se dire que la majorité des méchants, du coup, des gardes FND, ont ce véhicule-là. Donc en vrai, on est safe. Hein. Peuvent pas faire grand chose. What? Wow! Oh putain, je me suis mis dans une sauce. C'est bon. Ça va, ma soeur? Ça va, ma soeur? Meurs pas, hein. Faut pas mourir.
Putain, on doit être trop loin. Elle est plus là, ma soeur. Ma soeur, elle a disparu en plus. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné alors que je l'aide. Bon, allez, je me casse. C'est pas grave. Ou alors elle est morte. Ah mais non, elle est là. Ah mais non, attends, je continue de l'aider alors. Je vais continuer de l'aider. Voilà. C'est bon, ma soeur, t'es sauvée. Bah oui, hein. On est là pour aider les rouillas quand même, hein. Ne l'oublions pas, hein. Ne l'oublions pas. Pas d'otage, alors on va rien lui faire. Allez, c'est parti. C'est parti, Makikos. Ah vraiment, mais c'est un plaisir et je suis content là de faire des épisodes d'une heure. Moi c'est très compliqué vraiment les épisodes d'une heure au niveau de du traitement vidéo et tout. Mais bon, je sais que ça vous régale. Moi ça me régale aussi. Voilà, pas vous mentir qu'on passe un bon temps ensemble. Parler. On dirait que Bembe se planque dans une vieille cabane d'esclaves de plantation. Bembe, je vais te casser la gueule. Bichot, mais putain! Dégage de là, Danny! Je vais exploser le crâne de cette merde! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je peux pas, hein! Bichot, écoute-moi bien! Tu pensais que ça arrangerait tout de venir ici? Mais tout se passe pas comme prévu, c'est ça? Qu'est-ce que t'en sais, sale connard? Je sais que t'es pas un tueur. Regarde comme tu trembles. T'es qu'un putain de chien. Un trouillard, tu vaux rien. Ouais, mon grand. Tu prends sans rien donner en échange. Bichot, n'écoute pas ce fumier. C'est ça, Bichot. Un petit toutou à sa maman. Wow, attends. T'es pas un Bichot. T'es pas un Kleps. Comment tu t'appelles en vrai? Tu veux que tout s'arrange? Appuie sur la détente. Toi, tu fermes ta gueule tout de suite. Je m'appelle Pass. Ok. Cool. Tu t'appelles Pass. T'es Pass. T'es pas un Bichot, t'es pas un chien, t'es Pass. Et on a besoin de toi, vraiment. Coriace, le gamin. T'es qu'une pauvre merde. Au moins je mens pas, mes amis. Je dis ça comme ça. Mais j'ai tenté de le sauver. Il faut me croire. Je sais que vous aimez tous Bichot, et je pense que vous tous comme moi, vous avez eu peur. J'ai eu très très peur là de ce qui allait se passer. On peut pas le buter là, cet enculé quand même là de Bembe. Bichot, il m'a fait peur, hein. Il m'a vraiment fait peur, hein. Senor Alvarez, ceci est notre dernier avertissement. Ah, attention, le ministère du Développement, il est pas content. Pas content. Salut, Paolo. Dani, dis-moi que Bichot va bien. Si. J'ai réussi à le convaincre de pas faire une grosse bêtise. Il est un peu sonné, mais ça va. Oh merde. Merci. Et Bembe? Toujours vivant. Toujours pourri. Merde. J'espérais que tu me dirais autre chose. Il y aura toujours un Bembe, Paolo. Mais il y a qu'un seul Bichot. Quand Bichot sera de retour, dis-lui ce que tu ressens, d'accord? Ça lui fera du bien. Compte sur moi. Promis. Merci, Danny. Danny? Comment vas-tu? Je survis, gracias. Et j'ai une nouvelle cicatrice à montrer à mes amis. Tu peux rigoler, Danny. Mais c'est les cicatrices dans ta tête qui m'inquiètent le plus. Écoute, c'est la merde ici. Talia a une infection et on manque de médicaments. Je parierais que Castillo en a en réserve. C'est ça, on est d'accord. Fouille les trois postes de contrôle sur la route à l'ouest de ma clinique. Vite, Danny. La vie de Talia en dépend. Mais non. Mais c'est trop bien. Alors non, c'est pas cool pour Talia. Mais là, du coup, ça nous découvre trois postes de contrôle. Ah oui, mais on en a déjà fait deux. Mais c'est trop bien, les gars. On en a deux qui sont à nous, les gars. On en a deux qui sont à nous, donc c'est safe. Il y en a juste un à sécuriser. Ah, c'est trop bien. Et les gars, vous savez ce qui est cool avec nous? C'est que, en vrai... Voilà, site anti-aérien, nouvelle cible grâce à ce papier. Ce qui est cool, c'est que comme on prend tellement d'avance à chaque fois sur les choses, bah voilà, on a des missions un petit peu plus simples. Et ça fait plaisir. Ah bah voilà, récupérer les antibiotiques. Il y en a qu'un seul à récupérer puisqu'on a déjà récupéré là apparemment. Donc on va directement prendre sur celui-là. Et bah let's go, on va pas se TP, ça sert à rien.
En tout cas, voilà. Donc on en a qu'un seul à faire. Résultat des courses. Ouais, c'était assez fou comme mission quand même là. Il m'a fait vraiment peur, Bichot. C'est-à-dire que autant je pensais vraiment. Alors parce que j'ai encore la scène du dernier épisode avec Marquesa et Talia. Talia qui lui a mis une balle dans la tête, même plusieurs balles, parce que du coup elle était très énervée de ce qu'elle a dit. Là pour le coup, quand Bembe l'a énervée, je me suis dit que ça y est, Bichot il va lui mettre une balle. Il va trembler de tout son corps, mais il va lui mettre une balle et il va crever. Et en fait non, il commence à se braquer lui-même. Oh mais franchement j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Attends, Rouya, reviens par là. Lissade ! Je suis là ! Arrête-toi ! Pardon. Oh non, mais je voulais pas te faire peur. Je voulais pas te faire peur. Continuons ! Ah. Je crois qu'il commence à nous... C'était quoi ça ? Non, mais... Des tirs ! Oh, bah alors débrouillez-vous. Vous avez entendu des tirs, c'est bien, il y en a un petit peu partout. Bon, je voulais lui parler, mais il voulait pas me parler. C'est bien dommage. Allez ! Merci pour le quad. On n'est pas obligé pour la radio, hein. D'accord. Zéberdi. Zanzazion. Mais c'est pas vrai. Comment on fait pour traverser, bordel? On s'est mis dans un endroit, mon pote. C'est un bordel ici. Waouh, 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 waouh. Par là. Adieu. Allez, ça passe. Ça passe pas. Bon, c'est pas vrai. Ça proustille saucisse. Plus on s'en approche, plus on s'en éloigne. Ouais, faut que je prenne la route principale, j'ai compris. C'est logique, c'est logique. Faut que je prenne la route principale, j'ai pas le choix. Allez. On y arrive. Bon, quel délire. Quel délire, les amis. Et franchement, j'aurais cavale hein, quand même hein, durant cette... Durant cette aventure, j'aurai cavale comme jamais. Poste de contrôle. Yes. Super. Attends, il y a un point d'exclamation. Ah bah tu vois, j'aurais pu passer par là, je suis sûr. Il y avait un chemin là. J'ai contourné pour pas grand chose. Il est où? Il est là. Voilà, super. Ok. Bah en gros, faut juste le capturer, hein, ça fonctionne. Poste de contrôle. Sniper. Faut mieux faire attention. Sergent. L'alarme. Ah mais l'alarme elle est là. Elle est cachée. Faut neutraliser cette alarme. Ok, ils sont 4. Comme d'hab. C'est écrit quoi? Area restringida, solo personal autorizado. Ce qui veut dire que évidemment je n'ai rien à foutre là. De toute évidence. Dieu les renforts. J'ai envie de monter et l'assassiner. J'ai envie de faire un truc rigolo. Ah. Je suis cramé, c'est pas bien grave. Lui, il est pas au courant. Il va prévenir le sergent. Voilà. Il aura pas eu le temps de réaliser. Pas eu le temps de souffrir. Voilà. Et hop. Allez. Allez. On va y arriver. Voilà. J'ai un peu paniqué, je vais pas vous mentir. J'ai un peu paniqué. Ah, nouveau poste de contrôle. Et je me suis retenu hein, pour pas faire les yeah. Poste de contrôle capturé. Donc j'imagine que les antibiotiques ça va être bon aussi. Je pense. Hop. Ah non, il... Alors Danny, ça va comme tu veux ? Ah non, faut vraiment que je les cherche, ok. Ok. Voilà, c'est bon, c'est fait. Parfait ! Hé hey, Mathias, j'ai les médocs. C'est parfait Danny, rapporte-les-moi à Barial. Dépêche-toi, Talia en a besoin. A tout de suite. Je me dépêche. C'est où Barial ? C'est là-bas. Je me dépêche, on va y aller d'ailleurs pour se dépêcher, on va y aller comme ça. Je peux pas en largage aérien. Oh putain, oh, tant pis, j'y vais à pied. En voiture, on va prendre une voiture. En moto, on va prendre la moto. Allez, on y va. Talia est dans la merde là. Et moi j'aime bien Talia finalement. Alors je sais pas vous, mais depuis le dernier épisode, je l'aime bien Talia. Parce que... Laissez-moi tranquille.
Attends, ça par contre. Ça, vas-y, barre-toi ma soeur. Voilà. Oh bah elle a pris les armes. Ok, c'est bon. Ouais, du coup, ouais, je l'aime bien depuis le dernier épisode, c'est-à-dire que bon... On tire dessus là. On m'a vraiment tiré dessus là. Normalement je me laisse pas faire hein, quand on me tire dessus hein. Je sais pas, elle avait un sacré flow dans le dernier épisode et tout. Et puis bon, elle a buté marqué ça, d'accord. Mais elle avait, ouais, elle avait un sacré flow. C'est flippant par ici là. Je trouve cet endroit, je sais pas où, je trouve cet endroit creepy. Je sais pas pourquoi. Là, on est vraiment en dictature. Ok. Il va se calmer l'autre derrière. Va super vite hein. Allez, de retour à la maison. Yop là. De retour au cimetière. Ah, j'ai très peur. J'espère qu'on va y arriver hein. J'espère qu'ils vont réussir à la sauver. Ce serait juste génial. Personne m'a dit qu'il y avait une fête. Elle est si calme. Si. Grande réunion. On doit attaquer le docteur. Non, tu dois rester là. Nous, on doit y aller. On les abandonnera pas. Non. Les Maximas Matanzas, c'est Libertad. Les images du zoo de Castillo ont dévoilé le prix du paradis. Les gens veulent nous rejoindre grâce au concert. Radio Libertad inspire. Mais vous êtes devenue une distraction. Maria est morte. On vise le Viviro maintenant. El Doctor, c'est la clé pour niquer la machine Afrique de Castillo. Et il est dans la capitale. Non, c'est faux. Mes hommes gardent un œil sur lui. Je l'avais devant moi. El Doctor est accro à son boulot. Il est pas prêt de bouger. Mathias a des infos. Sergio Esteves, le bras droit d'El Doctor. Ses essais cliniques ont tué des tas de gens. Il nous mènera, El Doctor. Tu devais pas partir aux US. Tu les trouves un peu tard, tes couilles. Je savais bien que t'étais soldat. Paolo, tu as raison. Je suis pas ton chef. Mais il a suffi que tu sois pas là pour que Talia procède à des exécutions. La révolution, c'est le chaos. Mais un chef doit savoir y mettre de l'ordre. On y va. Choisis, Danny. Pedro Torero, ça c'était un putain de musicien. Maintenant qu'il n'y a plus papa et maman. On veut Sergio. Je le trouverai. Et on ira saluer le docteur. Moi j'adore Danny. Notre personnage principal, il est incroyable. Il est pote avec tout le monde en fait. Et ça c'est juste phénoménal. On a le... Parce qu'en fait... Enfin c'est fou quoi, on a vraiment le cul entre deux chaises. Mais on s'en bat les couilles. On a le cul entre deux chaises, non. En fait, on a le cul sur les deux chaises. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. Du coup, bah let's go. Et en plus, il y a un site anti-aérien qu'on va s'en occuper sur le chemin. Voilà, on va s'en occuper sur le chemin. Bah on y va. Je dois avoir un véhicule encore. Ouais, il est encore là, le truc, c'est cool. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, localiser et interroger Sergio Esteves. Malgré tout, ça faisait plaisir de voir Clara et Juan de retour, surtout ici, près des Maximas Matanzas. Après ce que Clara avait pu dire sur eux, ça fait plaisir de les avoir vus ici et les aider quand même. Hein, parce qu'elle comptait quand même les abandonner. Mais on lui a dit à Clara de ne pas abandonner les Maximas. On peut de nouveau les appeler comme ça puisqu'ils sont nouveaux tous là. Hein, donc ça c'est cool. Ils sont pas morts. Et donc du coup ben, on les abandonne pas et ça fait plaisir. Voilà, on n'abandonne pas ses amis. Très important. Allez. Ok. Cette fois, je suis sûr de pas avoir rêvé. Mais c'est moi. Ouah, mais ils sont trop cons. Bon, je vais pas pouvoir sauver l'otage. Hein. Ils sont trop idiots. Attends, le site anti-aérien. Il est par là-bas. Bon, allez, je vais y aller à pied. C'est bon, j'ai compris. Comment ça me saouler ces histoires. Alors, on va pas y aller par 32 chemins. On va pas y aller par 32 chemins. Ok, le truc... l'uranium, il est là.
Il n'y a qu'une seule personne, je crois. Hein. Non ? Une ? Oh, il n'y en a qu'une. Hein. En vrai. C'est easy peasy. Hein. Bah voilà. C'est de plus en plus simple. Pour mon plus grand bonheur. Récupérer de la ferraille. Très bien. L'uranium appauvri. Il est par ici. On va faire plaisir à Juan. Et puis le canon, il est là. Voilà. Hop, ça dégage. C'est pour Bibi. Voilà. Merci à tous. Et direction notre mission à 200 mètres. Et ben on peut continuer par là, c'est bon. C'est juste parfait. C'est une villa luxueuse à la pointe de la Muerte. Et nous y sommes. Bienvenue. Belle baraque. Ça paie d'être un vrai Yaran. Je devrais aller voir à l'intérieur. Salut, c'est Paolo. C'est juste pour te faire un petit topo sur Sergio que tu vois quel genre de monstre il est. Ce salopard a fait des expériences sordides sur des milliers de parias. Même sur des enfants, Danny. C'est immonde. Et tout ça pour apporter du pognon à Biovida. Cognon. Faut que j'arrête cet enfoiré. T'y arriveras. Bonne chance. Je me suis chié dessus. Bon, je suis cramé. Hein. Je suis cramé à quel niveau, je sais pas. Neutralisons cette caméra. Merde. Les forces spéciales. J'ai cassé l'alarme. J'ai cassé l'alarme, je suis un boss. Je suis un putain de boss, mais sucez-moi la... Merde. Il est pas là, l'enfoiré. Où est passé ce trou du cul? Merde, c'est qui ces guerrieros? Paolo, t'as envoyé des renforts? Oui. Laisse-les s'occuper des soldats. Concentre-toi sur Sergio. Grâce. Sergio, c'est Edgar Reyes. Les guerrieros sont après toi. Viens me voir, et nous te fournirons la protection adéquate. Castillo a besoin de toi, et moi aussi. Nous avons encore tant d'essais à terminer. Quelqu'un a prévenu ce héros des putes. Ok. Je vous laisse mettre pause, les amis. Bordel de merde, il est en cavale. Mathias, quelqu'un a prévenu El Docteur de notre arrivée. Sergio s'enfuit. J'arrive avec Paolo. Ne laisse pas cette sombre merde s'échapper. C'est un meurtrier. Rejoignez la marina. Allez, let's go. On va les laisser tranquilles, là. C'est parti, mon kiki. Glissade. Double glissade. C'est parti. Range ton arme. Glissade. Oh là 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 là, incroyable. T'as le jour où tu peux glisser comme ça pour de vrai. Oula. Mais quoi? Cherche pas la merde avec moi, je suis gentil. Allez, glissade. Bienvenue à la marina. Ouais, il rigole pas ici. Hein. Il rigole pas. Il hein. Ah, y a un truc là. Oh, la musique, elle me stresse. Sergio risque de filer sur son bateau. Ok. J'entends le moteur. Vite, 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 vite. Il est là. Voilà, c'est ça que merde, mon gars. Vite, vite. Il me faut un véhicule. Rentre. Allez, c'est parti. Il faut le capturer vivant, d'accord, ok, c'est bien de le savoir parce que j'ai failli le buter. Hein. Enfin, j'aurais eu tendance à vouloir le buter. Allez, c'est parti Sergio. On va te fumer. Ah ouais, il va nous faire explorer toute la map là, frérot. Très joli, hein. Très joli en tout cas. Allez, hein, la petite course poursuite. Allez Sergio.
Sergio Cavall. Sergio Cavalès. Je vais te fumer, mon pote. Ça va être du choc à pic, hein. On peut crever les pneus, vous pensez ? Mais non, Anton, il va rien me faire. Tu sais combien elle vaut, cette caisse ? Oh, pas beaucoup, je pense. Tu sais pas qui t'a affaire ! Allez ! Arrête de me suivre ! Mais non, pourquoi je ferais ça ? Allez, je te ferai pas de mal ! Bordel, tire-toi de là ! Allez, joue pas au con. On donnera ta peau pour ça. Comment je peux faire? Tu sais combien elle vaut, cette caisse? Voilà, c'est le moment où il répète plusieurs fois la même chose, donc je pense qu'il faut faire quelque chose, non? Tu sais pas qui t'a affaire. Arrête de me suivre. Commotion cérébrale sérieuse, lacération, épaule déboîtée. Mathias, laisse-moi deviner, tu vas me soigner pour me montrer que tu vaux mieux que moi. Dis-nous, Splan, quel docteur? Il est à la fabrique de Viviro, bâtiment 13. Mais putain, Paolo! Tu crois quel docteur aurait ses camps de parias sans l'aide de fumier dans son genre? Rien de tout ça, rien de tout ce merdier ne serait arrivé sans des médecins de son espèce. Je l'emmerde. Pff, fini la compassion. Et traumatisme crânien important. Merde. Ah ouais. Ah, c'était un peu violent quand même pour moi. Ça va, frérot, tu bouges plus là, hein, ça y est, c'est... Tu t'es pris une balle dans la tête, mais ça va, t'es plutôt bien conservé. C'est pas trop mal. Ok, ça va. Bon bah très bien, très bien, très bien. Danny. Retrouve-moi au poste de guet près du labo de Biovida. On va frapper le docteur chez lui. Putain, c'est pas trop tôt. On va le tuer, toi et moi, Danny. Et on va aussi frapper Castillo là où ça fait mal. À son putain de portefeuille. Hé, hey, Paolo, t'as réussi à me faire sourire. À bientôt. Ouais, enfin, comme toi, hein. Pas non plus à ce point-là, quoi. Hein. Tranquille, bilou, quoi. Faut peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses. Retrouver Paolo près du complexe Bio Vida. Très bien, on a une base DFND juste ici, c'est formidable. On va y aller en largage aérien, les amis, parce que c'est trop stylé. Et que maintenant on peut voler, donc autant en profiter. Et puis voilà, bien sûr. J'espère que vous kiffez là, il se passe tellement de choses, on avance très très vite, trop vite. Vraiment. C'est pour ça, en fonction de comment ça va se passer, pour le prochain épisode, on fera des chasses au trésor ou des bases DFND, des trucs comme ça. Zone d'exclusion aérienne. Ah, là, il y a quand même un truc. Oh non, regardez, c'est horrible. Regardez, c'est horrible. Non. Ah, oh, j'aurais peut-être pas dû voler pour voir ça parce que tout est très beau. Et puis on a là. Voilà, on a là. On sait qu'il s'est passé des choses. Enfin, qu'il se passe des choses pas très cool. Hein. Oh ouais, c'est terrible. Hop, on va se poser là. Comment ça? Comment ça? Non mais sois pas conne, ma sœur. Allez, je peux même pas me soigner. Je peux même pas me soigner, j'ai plus de soins. Cognon. Ah ouais. C'est très naturel, hein. Bon, la santé remonte, vous inquiétez pas. Ça va le faire. On va s'en sortir. Putain, je me suis vraiment pris la roche dans la gueule, quoi. Le pire, c'est que je voulais pas spécialement voir cet endroit. Ah bah là, j'ai bien plongé dedans. Hein. Allez. C'est bon, on peut monter par là. Ah, mais il est là-haut. Voilà, ok. Il est là-haut. Le moment est venu de tuer El Doctor. Eh, vous vous rendez compte? Dans le dernier épisode, on a tué Marquesa. Là, on va tuer El Doctor. Hé, hey, viens par là. Ça s'enchaîne, hein. T'as des infos pour moi? Le fort Santa Maria nous empêche d'avancer autour de Segunda. Et ils retiennent des camarades en otage. Essaie de les aider. Merci. Allez, une nouvelle base DFND. C'est bon, ça. C'est formidable. Formidable.
Allez, let's go. On va fumer le viviro. Ah. Bon, ça va, je me suis remis hein, de mes blessures de guerre. Hein. Pas exagéré non plus, je suis une warrior. Eh, hey, je survis à je ne sais combien de pluies de balles. C'est pas une chute qui va me tuer. Je suis là, frérot. Bâtiment 13. On y est. Le viviro, les parias, l'enfoiré qui se plante ici est le responsable de tout. Le seul moyen qu'on a de réussir, c'est de se séparer. Je vais appeler quelques camarades. On va placer des explosifs et foutre le business du viviro par terre. Ça va pas être facile, mais il faut que tu t'introduises là-dedans et que t'élimines ce salopard. Aujourd'hui, c'est lui ou nous. On n'aura pas d'autre chance après. Danny, tu m'as aidé à ouvrir les yeux. Je fuyais Castillo, Maria, tous ces enfoirés. Maintenant, ce sont eux qui ont peur. Ça, c'est pour Talia. Il fait un petit peu son malin maintenant, hein, je trouve. Hein. Bon, j'espère que Talia sera fière de lui. Ce sale taré va finir 6 pieds sous terre. Ouais, carrément. Allez, je dois entrer dans le bâtiment 13 pour mettre El Doctor hors d'état de nuire. Bon, bah écoutez... Désactivons l'alarme. Oui, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'ils vont cramer et puis qu'ils vont activer une autre. Donc... Les forces spéciales. Petit sniper, par ici, bien très sûr. Bien. Le sniper, c'est pas un problème. Hein. Ah, une deuxième alarme. Mais je pense qu'il y en a 3. Il y en a une en intérieur, c'est obligé. Alors, si je désactive l'alarme là-bas, je me fais pas cramer normalement. Essayez d'appeler des renforts. Oh, bah voilà. Il a pas vu. Fini les renforts. Alors celle-là va être un peu plus complexe. C'est rigolo que le sniper me voie pas. Hein. Attends, il faudrait vraiment que j'arrive à désactiver celle-là et on serait très très bien. Oubliez les renforts, salopard. Ils ont rien cramé. Je suis un putain de monstre. Là, regardez, on range notre arme et on se promène. Comme si de rien n'était, tranquille. Bon alors là, forcément. Okay. Attention, Danny. Il est un peu mal positionné. Parfait. Bon, ça a l'air d'être assez bruyant à l'intérieur, donc je devrais être tranquille. Regardez bien, ça va être magnifique. Bonne nuit. Oh, encore mieux par ici. Et là, peut-être qu'on peut trouver une autre alarme, non? Ouh, il y a un sniper ici. Oh, ça m'a l'air d'être... Ça va être pas facile, hein. Ça va pas être facile, hein. Oh, ça c'est vraiment pas nice. En vrai, il y a peut-être une alarme de l'autre côté, mais... Ah, il est là le canon anti-aérien, très bien. Bon. Ah. Lui, si je le bute, le mec en dessous sera au courant. Hein. C'est évident. Hein. Juste qu'on soit juste bien d'accord. Je préfère prévenir que guérir. Il faudrait que je monte là. Il faudrait que je monte ici. Comment accéder là? Il y a pas de... Il faudrait que je passe par derrière. Il faut que je passe par derrière. On va descendre et on va passer par derrière. Voilà, on va prendre notre temps les gars. On a désactivé 3 alarmes sur point d'interrogation. Ce qui est déjà pas mal. Attends. Hop. Voilà, on va pas se casser la tête. Et là, si on regarde. Voilà, tu vois. Lui, il fait le tour, là. Lui, il fait le tour depuis tout à l'heure. On va faire ça intelligemment. Est-ce que quelqu'un garde l'entrée? Je ne pense pas. Ok. Donc là déjà, on est safe. Là on est un peu moins safe. Lui il fait le tour. Parfait. Ça c'est parfait.
Je peux pas passer par là? Oh merde. C'est fermé. T'inquiète, Dani. C'est pas parce que c'est fermé qu'on peut pas y aller, hein. Ça ne veut rien dire. Là, j'y vais en repérage, voir s'il n'y a pas une autre alarme. J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que j'ai fumé toutes les alarmes. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que j'ai fumé toutes les alarmes. Bon. Maintenant, en effet, la question, c'est comment monter. Eh les gars. Si vous savez pas comment faire, appelez-moi, je vous explique. Eh. Je suis pas un peu un crack. Je pense, hein. Si je le bute, je suis cramé, non? Putain. Allez, on y va. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de buter tout le monde. Hein. Il n'y a même pas besoin de buter tout le monde, les gars. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, magnifique. Il est où, celui qui fait le tour? Il est là. Je me suis fait cramer comme une merde. C'est pas grave. Il y a quelqu'un. Mais non. Mais non, il y a personne. Fais-moi confiance, il y a personne. Mais oui, ça recommence, c'est dans ta tête. Ok, faut trouver un moyen de monter. Putain, c'est pas vrai. Là, je suis stressé. Qu'est-ce qui se passe, Dani? On perd moins de temps avec une arme. Cet endroit, c'est un vrai bunker. Tu devras faire preuve d'ingéniosité pour entrer dans ces bâtiments. Compris. Ok, je me suis fait cramer. Dani, ils s'attendent à une attaque terrestre. Essaie de t'infiltrer par les toits. La mort venue du ciel. T'inquiète. Ça peut payer. Je me suis fait cramer, mais il n'y a plus d'alarme. Allez, je monte. Je monte. Ouvrons la cible, vite. La cible était là, juste là. Non, non, tu m'as pas vu, c'est pas vrai. Ok, c'est là qu'il faudra que je descende. Ok, c'est bon, donc on sait déjà par où passer. On va juste un petit peu faire le ménage, quoi. Tu vois. Mais ça va, on s'en sort. Je m'en suis bien sorti. Genre, il a repop, lui. Ouais, venez voir. Venez voir, les Rey. Non, de l'autre côté. Bon, ouais, au pire, tant pis. Allez, on y va. Et bien voilà. C'est quoi cet endroit? Ah! Les guerriers se sont introduits ici. Ils sont venus aider tous que nous avons construit. Tuez étudiants. Tuez tous. Comment j'ouvre? Là, il y a une lettre. Apparemment, j'ai besoin de vous rappeler que les ressources précieuses comme les antibiotiques et les anesthésiants ne sont pas destinées à nos patients. Nous subissons une attaque terroriste. Protégez le vivant. Protégez le chemin menant au paradis. Ok, il est mort sous nos yeux. Ce bâtiment est mon sanctuaire, une source intarissable de cobayes. Tu
Tu ne mérites pas de vivre. S'il te plaît, ne tire pas. Paolo, faudrait que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a, Dani? T'as trouvé quoi? Le labo d'El Doctor. Et toutes ses expériences. Garde ton calme. Est-ce qu'El Doctor va mourir aujourd'hui? C'est son dernier jour sur cette terre. Le Foyaran est un atout pour notre pays. Bon. Je peux plus ressortir. C'est que je me suis trompé, je dois continuer. J'ai fait demi-tour, j'aurais pas dû. Il faut que j'aille là. Ah non, il faut que j'aille où là? Ah. Ça va, frérot? Je dois entrer dans le bâtiment 13. Ouais. Et ben alors, on n'est pas dans le bâtiment 13 là? Je vais m'énerver, je comprends pas ce que je dois faire. Attends, non, c'est pas ça. Ah, oh, je suis trop con. Excusez-moi. Le docteur est un monstre. Oh, lec. El Doctor, c'est la fin pour toi. Envoie-les en enfer. Ok, ils font tout péter là, Paolo et tout là, ils ont mis des bombes. Ça va? Tu peux marcher? Je ne crois pas. Dani, c'est la seconde fois que tu te proposes en tant que cobaye. Espèce de malade! J'ai vu les vrais effets du Viviro! Et je vais prendre. Impossible. Ok, il m'a mis dans la sauce. Oh waouh! Assassiner El Doctor, c'est parti! Avec grand plaisir. La définition du terme. Ouais. C'est opérer quelqu'un que l'on n'a pas atteint. La meilleure sensation. De sentir mon skeleton. Voilà, ça c'est Far Cry, ça les gars. Les orphelins sont les meilleurs cobayes. Pour faire plaisir et leur sort ne préoccupe rien. C'est mon travail. Rendez-vous. On l'a eu. Ça c'est Far Cry les gars. Ça c'est Far Cry. Paolo, El Doctor est mort. Putain Dani, t'as réussi. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? T'as déjà fait tout ce que tu pouvais pour eux. Il faut partir maintenant. Du calme mes amis. Juan arrive avec un hélicoptère. Juan? Mais comment? Tu pensais que je découvrirais pas ce que vous mijotiez? Arrête d'avoir cet air stupide et dégage-moi une zone d'atterrissage. Paolo, je trouve à l'héliport. Et Juan, merci. Putain. Quel boss, Juan? Paolo rigole pas. Juan, c'est un boss. Juan, le boss. Allez, on y va. Allez, on y va. Oh putain. Allez, on est ensemble. Dani, pars ici. On reste ensemble. Ouais, carrément. Allez, on dégage. Aïe. 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 Ça dégage. Oh, attendez. Il y a un truc qui m'intéresse. Eh oui, de l'uranium. Allez, ça le fait. C'est bientôt fini. Oh. J'ai kiffé en tout cas l'assassinat du docteur. Parce que c'est vraiment la sauce Far Cry. Je vais crever comme une putain de salope.
compris. Ce complexe est protégé par un galon anti-aérien. Je peux pas venir te récupérer si je suis mort. Ça marche, Juan. On occupe. Ah bah oui, le canon anti-aérien, putain, je suis con. Ça serait pas mal d'avoir un plan, Paolo. On improvise. Ça ressemble à la part où toi t'improvises. Moi, j'essaie juste de sauver ma peau. Canon. Allez. Mais c'est pas vrai, là, putain. Ça y est, il arrive. Oh la grenade. Bah ouais frérot. Voilà. Moi qui pensais que c'était Juan. Oh c'est la galère hein. Oh là là, c'est pas vrai! À la one again! Bon, mais ils servent à quoi mes alliés? Je vous jure, ils font rien depuis tout à l'heure! Y'a trop de soldats au sol, Lani, je peux pas venir te chercher! Je vais faire le ménage pour toi, Juan! Je ne fais que ça! Les soldats d'élite, en fait. Prends ça pour un compliment. Réanime-toi, toi. Allez, Paolo. Ça va aller. Allez, Paolo. Allez, Paolo, il reste plus grand chose là. Voilà, Paolo. Viens, Juan. Cessez le feu, camarade. C'est bon, je viens te chercher. Merde. Oh putain, c'était terrible. C'était terrible. Docteur ? Mort ! Tu parles d'une tragédie ? La déesse de la victoire nous a choisis. Savourez tant que ça dure. Parce que dès demain, elle se tapera d'autres peinards. Vous l'écoutez jamais, Pedro Torero ? Quelle génération de glandus ! Il a boucle de temps en temps ? Non. Talia ! Mon chou ! Je croyais t'avoir perdu. Mais non. El Doctor ? Mort. Autour de Castillo. T'as l'air... différent. C'est parce que je me fais entendre maintenant, Talia. Ça veut dire que tu m'accompagnes à Esperanza ? Je me battrai pour toi. Je mettrai une balle dans le crâne de Castillo pour toi. Mais t'imagines pas te débarrasser de moi. C'est facile de parler de famille, d'égalité, quand on dirige pas un pays. Mm-hmm. Quand ta révolution sera finie, la mienne n'aura même pas commencé. Alors mettons ça en chanson. Bichot ? Oui, capitaine. Reine Clara. Enfin, Refa. Je m'appelle Passe. Passe. Je pense que Radio Libertad aimerait entendre notre nouveau commandant. Ouais, pas de soucis. Tu vas dire à ces gens que Libertad était mon idée ? Merde, tu veux pas lâcher l'affaire. Je déteste cette putain de musique. C'est pas Pedro Torero ? Tout à fait, Dani. La révolution vendra, mi pueblo no aguanta más. Ay, con la yara unida mi hermano, venimos para luchar. Yes! Les gars, je suis ému. Voilà. Non mais sans déconner, c'est trop bien. Ça y est. Ça y est, mon pote, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il va nous dire, là, Esperanza, là, le lion? Dictateur de mes deux. Cher vrai Yaran, ces terroristes de malheur qui nous tourmentent n'ont pas de projet pour Yara. Ils ne veulent que semer le chaos. Ils... Diego ? Oui, papa ? Ils ne veulent que semer le chaos. Est-ce que ça va ? Tu l'as déjà utilisé. Ah. Tu l'as ouverte ? Oui, monsieur le président. Il sonne toutes les heures, président. Olaf,
fasciste. Je la reconnais, cette voix. Mon petit cadeau t'a plu ? Vous l'avez tué ? Quelle surprise, terrorista. Et avec les infos recueillies, on a détourné 10 cargaisons de ton précieux Viviro. Je vais vous poser une question, mademoiselle Garcia. Quand je serai mort et que Yara brûlera, quelle sera la prochaine étape ? Chanter en faisant la ronde autour d'un feu de camp ? Oh putain, qui est-ce qui te l'a dit, fascista ? Pour vous, c'est El Presidente ! Lancez la caméra. Je suis prêt à m'adresser à mon peuple. Papa. Quoi ? Gros plan. Ça tourne, monsieur le président. C'est avec la plus profonde tristesse que je vous annonce la mort d'un véritable héros du paradis, le docteur Edgar Reyes. Il n'était pas seulement le créateur du Viviro, mais également l'un de mes amis. Aïe, 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 aïe. Je vais être très honnête avec vous, j'ai un peu peur. J'ai quand même peur, là, de la suite. Ça va être hardcore. On l'a fait, les gars. Voilà, Danny. On l'a fait. Ils sont avec nous. Et ça, c'est cool. Comment tu te sens ? Mon corps, ça va. Mon âme, ça reste à moi. Oh. Comme ma poche, tout a l'air d'avoir changé. Le changement peut avoir du bon. Le temps change. C'est pas mal, ça. Je vais peut-être te piquer. Il y a rien qui a changé, là. Il y a absolument rien qui a changé. Ah, si, peut-être. Je sais que Paolo est bien occupé avec le camp, mais on a besoin de tout le monde. C'est quoi ton problème ? Normalement, tout est bon, là, dans le camp. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? C'est bon, là, je t'ai pris les... on va pas... Ah, tu veux que je t'upgrade ? Bon, bah, alors, j'upgrade. Allez, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir d'offrir. Ça sert à rien, mais bon, c'est toujours sympa. Allez, on upgrade. Le petit coin de pêche, voilà, formidable. J'espère que t'es content. Et puis, je vais aussi t'upgrader... Paolo est encore... Oui, Paolo est débordé. Je vais t'upgrader là. Débordé, hein ? Tu t'envoies ici pour m'aider ? Voilà, qui veut de la bonne viandasse ? Ça, ça fait plaisir. Non, par contre, ça fait plaisir de voir Juan et Carla ici, quoi. Enfin, de les avoir vus ici, c'est assez drôle, quand même. Oh, des sandales de pêche. Eh, mais en fait, je viens de capter que ça me donne des bonus, des trucs sympas. Ah, mais c'est trop cool. Attendez, mais je suis perdu, là. On est où, là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, encore ? Ah, mais les gars... Ah, c'est là-bas. Attendez, parce que je voulais continuer encore d'upgrader avant qu'on s'en arrête là. Et là pour voilà, on upgrade à fond, à 100%. Il y a beaucoup à faire ici. Donc ça c'est cool les gars, parce qu'on a les Montero qui sont avec nous, on a les Maximus Matanzas qui sont avec nous, et bientôt là pour la fin en fait, hein, ça va être les Morales qui seront avec nous les amis. Hein. Donc avec les légendes 67, etc etc. Voilà. Même si malheureusement nous avons perdu, n'oublions pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu la... bah, celle qu'on a rencontrée pour la morale, avec ses beaux abdos là. Ah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu triste, j'avais complètement oublié. Bon, et bien voilà, une très 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 bonne chose de faite. Une très très bonne chose de faite. On va s'amuser. Ça, c'est les petites missions secondaires un petit peu. Voyons voir, juste qu'on fasse un petit point, un petit débrief. Oh, magnifique. Donc là, Talia et Paolo, c'est bon, on est carrément ensemble. Yelena Morales bientôt aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si on regarde dans le journal les opérations, eh ben voilà. Eh ben les gars, pour le moment, il n'y a qu'une seule mission principale. Mais vraiment, hein. Genre quand je dis principale, c'est ce qui fait que le jeu va se terminer. Hein. Donc là, il reste plus que elle. On n'a plus de mission pour les Montero. On n'a plus de mission pour les Maximus Matanzas. On n'a plus que les Morales. Par contre, évidemment. Je vous rassure, on a les missions secondaires, histoire de Yara, d'accord ? On a les chasses au trésor, qui ne sont pas affichées là, mais qui sont, je vous rassure, sur la carte, là, ici, par exemple. Donc ça, on va faire dans le prochain épisode, ce genre de choses. Et puis les cibles militaires également, on va les faire dans le prochain épisode également. Voilà. Mais concrètement, on n'a plus que ça. Alors, on peut avoir un dialogue qui va apparaître, et du coup, on va avoir une nouvelle mission principale, bien sûr. Mais c'est pour vous dire à quel point on est sur la fin. En même temps c'est évident hein. Y a plus que... Voilà bah c'est bon, tout le monde est avec nous hein. C'est pas compliqué hein.
Ils ont l'air de s'enjailler. Et ça, ça fait plaisir. Donc voilà, je les amis. Paolo est bien occupé avec le camp, mais on a besoin de tout le monde. Frérot, j'ai tout mis. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire, donc tu te tais. Non, par contre, voilà. Prochain épisode, on va se séparer un peu des quêtes principales, évidemment. Parce que sinon, bah. Prochain épisode, on aurait terminé, en fait. Hein, à peu près. En vrai, il resterait plus que 2 épisodes. Mais en vrai, je pense que 50 épisodes, on va pas y arriver. Si vous voulez mon avis. Ou alors, c'est vraiment parce que j'ai réussi à faire traîner le truc. Mais si vous voulez mon avis, 50 épisodes. C'est la fin quoi. Je pense hein. Quelque chose comme ça. Niveau pronostic. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire également. Mais moi je pense que c'est comme ça que ça va se passer. N'oubliez pas le pouce bleu. Vraiment très important. Vous descendez. Vous mettez le petit like. Et puis le petit commentaire également. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et on se retrouve demain pour la suite de notre incroyable aventure sur Far Cry 6. C'était M'Kolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.